Linda Hardy ne s'attendait pas à un tel cadeau pour les fêtes de fin d'année. Pour ce Noël, le Covid-19 s'est invité chez l'ancienne reine de beauté. Pour la troisième fois, la pétillante Quadra a attrapé le virus, comme elle l'a révélé sur son compte Instagram le samedi 24 décembre, suivez ce lien pour découvrir la publication. Un imprévu qui a quelque peu chamboulé les plans de Linda Hardy. Cette année, sobriété oblige, a-t-elle écrit en préambule. Avant de poursuivre, pas de robe de soirée, pas de partie de jambes en l'air, pas de champagne, pas de soirée jusqu'à pas d'heure. Si elle a dû faire une croix sur certains plaisirs festifs en raison du Covid, cela ne l'a pas empêché de profiter des membres de sa famille. Masquée, l'actrice a ainsi passé le réveillon auprès des gens qu'elle aime. N'est-ce pas cela le plus important? La joie d'être réunis, de maintenir les traditions, de préserver les liens de la famille, de fêter l'amour, a-t-elle interpellé ses nombreux abonnés. Après avoir dévoilé les dessous de son 24 décembre, la comédienne de Demain nous appartient a tenu à adresser ses meilleurs vœux à sa communauté. Au cours de cette publication, elle n'a pas oublié d'avoir une pensée toute particulière à celles et ceux qui sont seuls ce soir ou durant cette période de fête. Une bienveillance qui n'a pas tardé à faire réagir ses followers. Ces derniers se sont empressés de lui souhaiter un prompt rétablissement. De tendres messages qui ont certainement consolé Linda Hardy. Supérieure à Miss France, que deviennent les anciennes reines de beauté? Linda Hardy revient sur ses récents soucis de santé. La fin de l'année 2022 n'a pas été de tout repos pour Linda Hardy. Avant d'affronter une énième fois le Covid-19, la Miss France 1992 a dû surmonter un autre problème de santé. Dans une interview accordée à nos confrères de Téléstar, parue le lundi 13 décembre, elle a accepté d'évoquer sa récente opération de l'appendicite. J'ai été très bien prise en charge et je me remets vite, a assuré celle qui est l'heureuse maman d'un petit garçon, qui a précisé qu'elle avait repris le chemin des tournages. Je ne suis pas du genre à m'apitoyer sur mon sort et dans la convalescence. L'envie de faire des choses joue un rôle primordial, a-t-elle estimé. Avec une telle détermination, Linda Hardy n'aura aucune difficulté à mettre une nouvelle fois le Covid-19 mille. Oh ! Crédit photo, Rachid Bellac.